Salut tout le monde, comment allez-vous Très bien, j'espère. Je suis votre humble serviteur Vic Martin et qui est à Goli. Bienvenue dans VEPS News dont le numéro d'aujourd'hui est entièrement consacré à un artiste béninois, un artiste pétri de talent, un guerrier. Il a pour nom Tigenge. Ouais. Tigenge, comme vous le savez, a fait récemment une nouvelle sortie intitulée Jugement. Restez alors, câblé, ne nous quittez pas. Mais avant, de vous faire déguster cette merveille musicale de Tigenge, générique. C'est un artiste béninois qui se démarque par sa plume. Le gars, il a une très très belle plume. Comme moi, souvent je le dis, c'est l'un des artistes béninois qui a une belle plume. Le gars, il est pétri de talent. À travers son morceau jugement, il vient encore confirmer que c'est un bon écrivain. Sincèrement, le gars, je ne sais même pas d'où il sort ses inspirations. Il est fort. Chapeau à lui. Et comme je l'ai dit, on va essayer donc de décortiquer un peu de Décortiquer un peu son nouveau titre, jugement à travers le morceau, jugement. comme déjà le nom l'indique, hein, jugement euh, euh, en français, tout le monde sait ce que ça veut dire. À travers ce morceau, Tigang euh, parle de ceux-là qui portent des jugements sur les autres sans les connaître, ceux-là qui jugent et qui critiquent les autres sans savoir un peu le fardeau qu'ils portent, sans savoir un peu qui ils sont réellement, sans savoir un peu ce que ces gens-là endurent. C'est donc cela que tigging est en train de peindre dans son morceau jugement. Déjà, je vous lis ce que le gars a mis en description et ça va vous aider à, à, à comprendre un peu le morceau. Il dit à tous ceux qui sabotent nos efforts. Sachez qu'il est facile de juger, sans connaître la profondeur de nos luttes. Ah, ah. Voyez donc tout cela qui tous tout cela qui critique, c'est facile de critiquer. Vous ne savez pas ce que les autres endurent. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas qui ils sont réellement. Vous ne connaissez pas leur charge. C'est ça, il est en train de dire là. Et il dit encore vos mots et vos actions peuvent blesser. Il dit vos mots et vos actions peuvent blesser plus que vous ne l'imaginez. C'est vrai. La parole quand ça sort, les critiques quand ça sort, sans mûrir. Voyez quand ça sort, ça peut blesser. Et même anéantir des gens, ça peut même ça peut même les détruire complètement. C'est ça que le gars est en train de dire là. Et il dit encore, en critiquant et en sabotant nos efforts, vous ajoutez du poids à un fardeau déjà lourd à porter. Là, c'est trop fort. Il dit, en critiquant et en sabotant nos efforts, vous ajoutez du poids à un fardeau Déjà, l'eau à portée. Cela voudra dire quoi? Que le gars, il a une énorme charge qu'il traîne. Et c'est pour ça lui il se bat. C'est pour ça d'accord il se démène pour s'en sortir. Et vous, ne le connaissant pas, vous le jugez, vous le sabotez, vous le critiquez. Et vos critiques peuvent maintenant le détruire facilement. Vos critiques peuvent l'anéantir facilement s'il n'est pas fort comme un roc. Vous voyez là dans les critiques. Certes, elles ont d'accord leur, leur impact positif. Mais pour la plupart des gens, quand ils critiquent, c'est pour anéantir, c'est pour détruire. Parce quoi Il y a cette, la jalousie. Beaucoup critiquent par la jalousie. Parce quoi Eux, ils voient que, ah, le gars qui sont en train de critiquer les dépasse. Et qu'il faut maintenant raconter des sottises, des énormités, des histoires qui n'existent pas pour les détruire, pour les anéantir. Vous voyez C'est ça. On continue. Nous ne cherchons pas votre pitié, mais un peu de compréhension et de respect. Ah oui, ah oui, ah oui. Ça veut dire quoi Le gars ne refuse pas qu'on ne le critique pas. Non. Quand je l'ai dit, il y a des critiques constructives, des critiques qui aident les gens à évoluer, des critiques qui aident à se construire. Ah oui. À se rendre compte de ses erreurs, de les corriger afin d'évoluer. Mais est-ce que c'est ça que nous faisons en réalité Non. Pour la plupart des cas, nous critiquons pour détruire. Nous critiquons pour anéantir. Nous critiquons par jalousie. Et c'est ça que T-Gang est en train de décrier, C'est ça qu'il combat à travers son morceau Jugement. Le morceau est trop fort. Pour ceux-là qui ne l'ont pas encore écouté, allez sur ces différentes plateformes. Allez sur la chaîne YouTube de et Vous aurez le morceau. Vraiment, c'est trop fort. Et le clip est encore. Oh, le clip est bien réalisé. Je crois bien que c'est Barakel qui l'a réalisé. Barakel, bon voilà, c'est l'un des meilleurs réas du Bénin actuellement. Oui, oui, le gars il est bon et le son est misé pas roti. Le beat c'est a beat. Ouais, on continue, on continue. Voilà, le gars, c'est un peu comme je l'ai dit. Il faut être fort comme Rock avant de continuer. Et lui dit, nous continuerons à nous battre malgré tous les efforts que vous vous fournissez pour nous abattre. Voilà, ouais, beaucoup, beaucoup qui ont un bon destin, beaucoup qui ont un bel avenir ont été détruits par les critiques. Parce quoi ils ne sont pas forts. Ils n'ont pas un mental d'acier comme Tigeng. Beaucoup laissent, beaucoup abandonnent parce que on les critique, on les insulte, on les traite de tout. Oui, oui, on les boycotte. Et ça, les décourage, ils dépriment, et paf, ils abandonnent. C'est ça. Donc, les critiques peuvent abattre facilement, facilement ceux-là qui ne sont pas forts, ceux-là qui ne sont pas forts comme le rock, ceux-là qui n'ont pas un mental d'acier. Oui, c'est ça. On continue. Et ils demandent si vous n'êtes pas prêt pour nous aider, pour contribuer à notre évolution, alors collez-nous la paix. Laissez-nous évoluer. Quittez notre chemin. Laissez-nous. En tout cas, lui, il a confiance en Dieu et il sait que Dieu est immense. Il sait que Dieu combat son combat. Et c'est de ça qu'il s'agit en réalité. C'est Dieu qui combat le combat de ceux-là qui se battent. C'est Dieu qui combat le combat de ceux qui sont dévoués. Ne pensez pas que les grands hommes de ce monde-là n'ont pas connu de critiques. Non. Les grands hommes de ce monde ont connu de critiques. Oui, mais le secret, la clé c'est quoi Mental d'acier. Être focus sur là où on va, la destination. On doit rester focus sur l'objectif. Le but, on ne doit jamais l'oublier. Dès que vous l'oubliez, c'est fini, vous échouez. Et ça fera le plaisir de vos ennemis, de ceux-là qui vous critiquent. Oui, car vous devez savoir que ceux-là qui font des critiques destructives, sont vos ennemis. Ce sont des gens qui n'aiment pas que vous évoluiez. Il faut savoir que ces gens-là, ils savent très bien que vous avez de la potentialité. Ils savent très bien que vous avez quelque chose à donner à l'humanité. Et eux, leur seule mission, c'est de vous détruire. Leur mission, c'est de vous empêcher d'y arriver. C'est ça. Et c'est de ça que nous parle Tigeng à travers son morceau Jugement. Moi, j'ai aimé le gars, il est trop fort, il est trop fort. C'est vrai que voilà, <laughs> le, fond, le fond de Tigeng me, me, me dépasse un peu. Mais moi-même, je n'arrive même pas à décortiquer tout, tout ce que le gars dit dans le morceau, car le gars, il est cultivé. Tigeng est cultivé, non. Une très belle plume. Une, une très très belle plume. Oh non, non, sacré Tigeng. Depuis des années, moi, j'écoute Tigeng et je suis satisfait. Le gars, on sent une maturité musicale. Tous les jours, le gars se bonifie tel un vin. Ah, quoi de plus beau Le Bénin a besoin de ces gens d'artistes. Oui. Il faut donc les soutenir. Il faut donc que tous les Béninois s'alignent derrière des artistes comme Tingenge. Il n'est pas le seul. Hein? C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est de lui qu'on parle. C'est de lui qu'il s'agit aujourd'hui. Il faudrait... Qu'on lui donne de la force. Il faudrait qu'on le porte haut. Il faudrait qu'on soutienne ses œuvres musicales. C'est seulement jugement de Tiguin, c'est un chef-d'œuvre bien écrit. Non, actuellement, au Binet, les choses ont commencé à bien prendre. Oui, ça se structure. Il faut maintenant conquérir l'international. C'est donc la mission qui est revenue. À tous les artistes béninois, la conquête de l'étranger, la conquête de l'international. Avant de mettre un thème à ce numéro de Vibes News, permettez-moi de saluer un grand homme, un homme de développement, un homme de culture, un homme qui adore la musique. Il s'agit du professeur Cyril Goubeji, couronné à l'Odeou par le palais royal d'Adogbe de la commune de Kove Dalodieu est le géniteur du festival des artistes musiciens d'Agoli Fama au sein duquel il y a Presque tous les artistes de la région à Gonli. Quand on dit à Gonli, comprenez que ça fait Covey, Zanyando et Mwari. Tout est bien qui finit bien, comme vous le savez. Je suis Vic Martine qui est à Gonli, votre un serviteur. N'oubliez pas de vous abonner massivement à la chaîne. De mettre assez de pouces bleus. D'activer la cloche de notification. Et de partager fort la vidéo. À la prochaine pour un autre numéro de Vibes News. Voilà.